au deuxième jour de son périple de commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre, Emmanuel Macron s'est recueilli à Morhange, en Moselle, sur le site d'une bataille méconnue. C'est le premier président à se recueillir officiellement dans ce lieu qui a été le théâtre d'un désastre militaire au début de la guerre de 14-18. La bataille de Morhange est un épisode de la bataille des frontières, au cours de laquelle 40 000 soldats français ont été tués dans des combats acharnés. Le coup d'envoi des cérémonies du souvenir a été donné dimanche soir à Strasbourg par Emmanuel Macron et son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier. À Londres, 10 000 torches se sont progressivement illuminées au son du clairon militaire. Une opération qui sera renouvelée tous les soirs de la semaine jusqu'au 11 novembre.